10h, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, président états-unien Joe Biden, dans conversation téléphonique, mandé premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, yon cessez-le-feu rapido presto dans région Gaza. Et force couillot a continué 24 heures après tremblement de Tessa, qui secoue Taïwan et qui la cause la mort 10 monde. Et puis en Haïti, gouvernement prolongé état d'urgence là pour yon mois devant Zak violence gang Ameo qui va suspendre. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment qui côté et n'a qu'il est ou même attendre et regarder en même temps vidéo ça. Et l'autre fois qu'on a dit bienvenue sur Yannel pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour jeudi à côté nous porter une édition La Voix de l'Amérique pour nous parler fort entendre tout détail comment actualité a eu dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Et bien parmi l'autre point qu'a développé dans information ça que nous porter pour là après édition La Voix de l'Amérique là n'a faut connait dans pays d'Haïti et bien la police a arrêté un policier avec un autre nèg encore qui t'a pour zambay bandi et amis nous écouter nous tomber vraiment fond dans dossier qui gien pour avec insécurité même Jean pouvait bladik c'est chat caille lui même cap manger ou bien rat caille cap manger paille caille pourquoi il est là policiers eux même yo vraiment impliqué dans dossier insécurité dans opération qui mené dans zone Mon Ogé nan Jacques Mel la police mette main sur un présumé bandit lui même qui c'est Jean-Pierre Anthony n'a porté tout détail pour vous puis devant dans édition journal ça République Dominicaine et bien gagne affaire de 5488 femmes haïtiennes nous même qui t'a fait petite et bien dans deux premiers mois selon les standards yo côté n'a porté tout détail pour vous des actualités et en l'autre côté tout n'a faut connait pays Afrique yo même avec Caraïbes a demandé recréation un tribunal pour Zak qui était qu'on fait dans temps esclave yo point ça quand pilote qui n'a pas pour nous porter pour dans édition journal ça mais avant même nous rentrer dans point ça pas oublier abonner avec channel là c'est pour première fois que vous tombez pas oublier quitter un like sous vidéo et partager le tout avec vos amis yon famille VOA Creole pour dans un petit moment merci d'être choisi VOA Creole pour informer merci pour confiance là actualité mène nous d'abord dans région Moyen-Orient ou bien ici Washington côté que dans cadre surtout guerre entre Israël et Hamas là gain président américain Joe Biden qui parlait dans téléphone avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et dans l'occasion, leader américain mandé pour yon cessez-le-feu rapido presto dans Gaza. Sandra Lemaire dans un reportage. La Maison Blanche publié un compte rendu conversation président Joe Biden te gagné avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu matin. D'après note li voye bay journaliste yo et n'ap cité, président Biden mettait accent sur le fait que attaque contre travailleurs humanitaires ak situation humanitaire en général dans Gaza pas acceptable. Il déclarait clairement besoin qui existait pour Israël annoncer application d'une série de mesures concrètes, précises et mesurables pour protéger les civils, empêcher souffrance humanitaire et puis sécuriser les travailleurs humanitaires. Il dit clairement que l'évaluation de mesures immédiates Israël prend sous étape SAIO pour déterminer la politique États-Unis par rapport à Gaza. Il soulignait que cessez-le-feu immédiat est essentiel pour améliorer la situation humanitaire et puis protéger les civils innocents. Et il encourageait le premier ministre là pour le bail négociateur Lio pouvoir pour finaliser une entente sans perdre de temps pour otage Katounen Lakayo. D'un autre côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken parlait sous frappe israélienne dans le discours qui était prononcé jeudi à l'occasion 75e anniversaire de l'OTAN dans le quartier général de Bruxelles, Belgique. Now of course, what happened after October 7th could have ended immediately if Hamas had stopped hiding behind civilians. Il dit bien entendu, ça qui est passé après 7 octobre-là, c'est qu'a fini immédiatement si Hamas te suspend, caché derrière civil, lagué otagio et puis déposé les armes. Mais Israël, pas Hamas. Israël, c'est une démocratie. Hamas, c'est une organisation terroriste. Et démocratie valorise la vie chrétienne vivant, pipis. La vie de tout chrétien vivant. Jean nous dit, moun qui sauve une vie, sauve le monde. C'est force nous, et c'est ça qui fait distinction entre nous-mêmes avec terroristes. Si nous perdons respect pour la vie chrétienne vivante, pas gain aucune différence entre nous-mêmes avec terroristes. Pendant ce temps, l'armée Israël déclarait jeudi, l'équal publié, tout à l'heure comme ça, enquête liménaire sous frappe qui était faite sous convoi ONG World Food Kitchen qui touillait 7 travailleurs humanitaires. Amiral Daniel Agari déclarait enquête là déroulée de façon claire et transparente. Il fait qu'on est aujourd'hui à nous présenter enquête nous sous incident grave côté employé World Food Kitchen qui est mort tragiquement. C'est une organisation qui consacrait tête libre pour faire le bien. Bay moun qui n'a besoin dans Gaza manger. Il était bay citoyen Israël manger après 7 octobre. Nous t'emmenons une enquête en détail.
qu'un plus passé 33 000 Palestiniens qui mourent dans le conflit israélo-Hamas là, qui là depuis 6 mois. Qu'un plus passé 75 600 l'autre qui blessés, d'après chiffre ministère Santé publique, Gaza, publié jeudi. Ministère a pas fait différence entre morts civils à combattants dans le chiffre publié. Mais les 10 femmes actimoun représentaient 2/3 dans victimes. Yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Même genre avec Washington, gain en pile et observateur Captain Poué, qui résultat ça a bail dialogue que président Joe Biden sort gain là avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. N'a prêté toujours une actualité à nos points de vue international. Nations Unies voyait avertissement sous violation droit immune qui a augmenté à travers le monde. Dans une réunion dans Conseil sécurité, gain ambassadeur pays Malta Vanessa Frege qui dit situation dans Gaza, Soudan, Haïti, Ukraine, Afghanistan et Yémen, situation ça bail en pile. Qu'est-ce que c'était Valérie Saint-Louis depuis New York? Data gathered for a forthcoming 2024 report. Virginia Gamba, représentant spécial secrétaire général Nations Unies pour Timoun à conflit armé, t'a dit hier mercredi 3 avril là dans discours li devant Conseil sécurité à New York que Timoun à travers le monde qui vivent dans zone conflit yo, yo refusé ba yo assistance humanitaire et puis yo violé droit yo. Virginia Gamba te dit selon un rapport qui a sorti pendant l'année 2024 ça, données ont montré que gagné une augmentation choquant dans façon que refusé bay timounyo accès à assistance humanitaire globalement. Il te décrit ça comme un mépris flagrant pour respect loi humanitaire internationale yo qui continue à augmenter. Virginia Gamba te parlé pour dire refuser accès humanitaire a gagné un effet à long terme sur bien-être et développement timounio et puis il ca mené dans violation droit timounio qui gagne la donne droit à la vie, éducation et droit pour joindre plus haut niveau soins santé que ta attendre. Li souvent empêcher timounio joindre accès à espace qui en sécurité yo. Jean yo wes a fait dans pays qui est Soudan et pays Sahel yo. Dans quelques situations, yo identifié tout refus pour accès à assistance humanitaire qui fait les groupes armés ou sous organisation criminelle yo arrêter convoi camion aide yo, ça qui retarder assistance que ta supposé by Timounio. Sans respect de la partie qui est dans le conflit pour permettre accès complet, sans danger et puis sans entrave pour livraison assistance humanitaire, aller, la vie Timounio, bien-être et développement yo en danger. Et c'est seulement écho appel nous que nous avons fait passer dans la salle. Il ajoute pour dire, nous pas qu'à empêcher accès aide humanitaire pour Timounio. Et puis il faut que nous renforcer capacité nous pour nous contrôler et empêcher sa fête. Nous devons continuer à travailler là. Bon côté par Ted Scheiben, qui est directeur exécutif adjoint Fondation Unis pour Timounio dans UNICEF, t'es adressé lui-même tout conseil là. Il te fait remarque pour le dire. Yon manque accès à services humanitaires créé plus gros vulnérabilité et augmenter l'autre violation sous droit Timounio. Timounio, c'est le premier monde qui souffre et c'est eux-mêmes qui pourraient porter conséquences humanitaires pendant longtemps. Parti concerné, yon gagne une responsabilité légale et morale pour assurer Timounio accès à services humanitaires. Ted Scheiben, directeur exécutif adjoint Fonds Nations Unies pour Timounio, a demandé aux États membres pour renforcer et protéger droit Timounio à accès à aide humanitaire. Dans la capacité de comme président Conseil de sécurité pour mois avril 2024, ça, ambassadeur Vanessa Frazier, représentant permanent pour pays Malta dans les Nations Unies, a adressé les reporters après que la réunion Conseil a été finie. L'été dit. Situations in Gaza, Sudan, Haiti, Ukraine, Afghanistan and Yemen are of urgent concern. Situation in Gaza, Sudan, Haiti, Ukraine, Afghanistan ak pays Yemen bay gros inquiétude et yo besoin plus assistance en urgence. Si moun yo manke gen accès ak manger, médicaments ak l'eau, ça qui la cause malnutrition ak propagation gros maladie. Et à long terme, ça prend tout des conséquences graves sur le développement et bien-être timounio. Dans ce sens, nous demandons toute partie pour respecter obligation en bas loi internationale. Loi internationale droit moun, loi internationale réfugié. Puis immédiatement mettez fin et empêcher violation grave qu'a fait contre timounio. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis, ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Élection aux États-Unis dans un petit moment. Et oui, 2024 là, c'est année électorale ici aux États-Unis et puis question immigration illégale. C'est un sujet important dans l'élection Sayo qui est fixé pour 5 novembre 2024 d'après sondage. Jean-Robert Philippe, il faut dire que dans la question immigration, Jean-Robert, il a semblé que eh ben, deux candidats, en parlant de président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump, il n'y a pas de question immigration, même gens, et même dans la campagne, il n'y a pas de même approche sur la question immigration. Effectivement, j'en dis à Jacqueline, eh bien, même avant, Parti démocrate et Parti républicain désigné officiellement candidat qui a représenté dans l'élection présidentielle novembre, eh bien, ça m'a empêché que candidat pressenti, puisque pas gagné l'autre candidat qui n'a coûté encore dans deux partis, et c'était Joe Biden dans le camp démocrate et Donald Trump dans le camp républicain, eh bien, il y a déjà
commencé campagne eux-mêmes et ont commencé à parler exactement de un grand point qui a devenu campagne là en parlant de immigration. Dans l'élection primaire d'État Wisconsin semaine ça, immigration illégale c'était un parmi les sujets qui plus important pour un pile électeur tant que Scott Lederman qui c'est un contacteur. Immigration, inflation, immigration, inflation, droit pour la vie, bon dit, c'est trois grosses questions pour moi-même. Lederman a voté pour candidat républicain Donald Trump dans l'élection 2020 et il dit année ça l'a voté pour lui encore. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré dans un meeting populaire dans Wisconsin, il paraît pour faire plus grosse quantité de déportation dans l'histoire des États-Unis pour débarrasser pays à ça considéré monde danger. Ils voient nous prisonniers, assassins, marchands de drogue, monde qui a un problème mental, terroristes, puis mauvais monde a venir joindre nous dans pays à je ne je dis à. Ils sont du Congo, Yémen, Somalie, Syrie, tout côté sur planète là. Ils viennent pour changer et détruire pays noir. Un dernier sondage Harvard Caps Harris fait indiquer que question immigration est important pour l'électeur américain yo côté plus passé un tiers dans monde qui répond question yo mettez en avant économie crime avec soins santé. Président Joe Biden qui se candidat parti démocrate là a déclaré on my first day in office as president I introduced a comprehensive plan to fix our immigration system. Immigrants contribuent dans l'économie américaine et n'ont pas animal dangereux, tant que l'adversaire voulait faire comprendre. Dans le bon jour, madame, non, comme président, je vais soumettre un plan global pour ranger le système immigration, mettre la sécurité sur frontières, offrir des gens à la famille, travailler dans la ferme avec travail essentiel. Il y a un moyen pour les citoyens américains. Ils ont tout aidé pendant la pandémie et ils ont fait partie de la communauté. La différence entre nous-mêmes avec Donald Trump, c'est que nous connaissons qui nous est. Comme américain. Supporter Donald Trump a rappelé l'engagement qu'il a pris dans l'élection 2020 pour monter un mirage sur frontière États-Unis partagé avec Mexique. S'il passait dans l'élection en novembre 2024, là, eh bien, il prend le bail garanti pour le fin construire un mirage. With your vote, I will seal the border, I will stop the invasion, I will end the carnage. Avec voix, nous, ma barré frontière, ma mettre fin à massacre là, dans la rivière sans cap couler, avec assassinat, n'a crabiné, raqueté, cap fait trafic mounio. Le tribunal d'appel des États-Unis tendait mercredi 3 avril, avocat gouvernement fédéral là, avec avocat État Texas, sous loi qui bat État avec juge de droit pour déporter immigrants que suspect comme quoi je suis entré dans l'État sans autorisation. Président Biden déclaré par l'association magistrat américain, il y a un plan qui gagne support deux parties dans le Congrès pour améliorer la sécurité sur frontière, pour gagner plus de juges avec agents qui sont responsables d'asile, avec appareils sophistiqués pour détecter drogue. Chambre de député que les républicains ont contrôlé, il y a un problème avec projet loi à cause de Donald Trump qui a un problème avec lui. Sénat que démocratie contrôlé pas fait projet loi avancer non plus tout. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc c'est en pile réunion qu'a fait et campagne a fait bien que Takuja Robert soit dit là pour qu'on gagne candidat officiel mais tout porte à croire tout est signe montrer que eh ben nous pas gagner il y a l'autre face à face entre président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump. N'a pas entré dans actualité concernant pays d'Haïti et eh ben gouvernement qui prolonge état d'urgence là pour un mois devant Zach violence gang armé qui pas suspendre dans pays d'Haïti. Nous gagne sur place n'a pas Port-au-Prince Yves Manuel. Gouvernement haïtien annoncé mercredi soir dans un communiqué li prolonger état d'urgence dans le département l'ouest côté capitale haïtienne trouvé la partir jeudi ça et jusqu'à 3 mai cap venir là. Autorité yo décidé tout prolonger période couvre-feu sur ensemble département l'ouest là à partir de mercredi jusqu'à 10 avril. Mezi sa yo prend dans l'idée pour rétablir l'ordre et prend divers autres mezi pour reprendre contrôle situation. C'est ça gouvernement fait connait dans un communiqué qui porté signati premier ministre pour un petit bout de temps Michel Patrick Boisvert. Couvre-feu a entré en vigueur à partir de 7h dans soirée pour arriver jusqu'à 6h dans matin. Mezi sa li pas valable pour agent force l'ordre, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui clairement identifié pendant période état d'urgence là, toute manifestation sur voie publique là interdit la journée tant que la nuit dans des l'ouest là. En conséquence, la police là recevra l'ordre pour utiliser tout moyen légal lié à disposition pour capable faire respecter couvre-feu et arrêter tout monde qui pas respecter Mississayo. Décision ministre pour un petit bout de temps venu pendant qu'il y a diverses réunions qu'a fait pour formation conseil présidentiel transition dans pays d'Haïti. Jean Caricom te promet ça dans tête collée à divers autres pays tant que États-Unis, Canada, Mexique et Brésil dans l'idée pour sortir Haïti dans situation insécurité sans pareil. Li trouvé là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Toujours dans le pays d'Haïti, toujours dans le dossier politique à gagner, et supporters, fanatiques et amis. Premier ministre Ariel Henry, qui a même sorti dans le silence, d'après sa correspondante dans Port-au-Prince, dit-nous, Massia Deville.
Premier ministre Ariel Henry qui quitte pays depuis 25 février passé pour participer dans la 46e réunion ordinaire chef l'État et gouvernement pays CARICOM dans pays Guyana avant pour dans le pays Kenya côté le finaliser avec autorité pays Est Afrique pour déploiement d'une force multinationale. Dans date 29 février, un mouvement armé déclenché dans la capitale pour réclamer démission gouvernement. Pendant le Porto Rico, Premier ministre Ariel Henry annoncé gouvernement lien a démissionné tout de suite après conseil de transition installé. Docteur Ariel Henry a fait déclaration ça à travers une vidéo pré-enregistrée qui publiée 11 mars passé. Quelques supporters Premier ministre démissionnaire dit c'est un kidnapping qui fait sous chef gouvernement. Je ne sais pas quoi chef d'État pays, Premier ministre pays, je dis là, pour blanc inviter et puis pour blanc prendre dans un otage. Et bien, c'est le conseil présidentiel qui va venir diriger le pays. Jusqu'à présent, moi-même, mais je connais avec kidnapping, nous faisons soigner. Qui côté appelle nous? Kidnapping, puis faire le bail d'émission. Pour que la PIA, le cabinet prenne contrôle du pays. Pour que la Premier ministre ne soit pas cabinet Nathalie, même l'État décide de bail d'émission. Pour le bail d'émission, la Kali. Je condamne l'international, je condamne le secteur privé, je condamne la classe politique là, qui fait un kidnapping sous PM. Même n'a réfléchi parce que les que on États-Unis kidnappé PM, c'est pas n'importe puissance qui kidnappé PM. Laisse à nous-mêmes, nous avons écrit. Même gens que droit convention que nous signons, on a fait ce que de droit, on a fait suite nécessaire pour nous écrire tout un sens nécessaire pour nous dire que son kidnapping nous fait sous PM. N'a dit américain, tant pris, n'a pas tâché nous dans pio, voyez dit nous combien comme d'être là. Nous même en tant que jeune cap bataille, n'a pas tête ensemble pour nous si nous ca sauver Haïti, si nous ca délivrer dans côté là. Citoyens ça yo fait déclaration ça, dans moment la police a troqué cogno ak bandi, cap chercher prendre contrôle périmètre palais national là, selon ça, nouvelle yo fait connait. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa Filmé pour vouloir crier. Toujours dans le cadre de réaction par rapport à la crise qui a saccagé le pays d'Haïti, il y a l'ancien Premier ministre Evans Paul qui plaidait en faveur d'une rencontre au niveau avec le pouvoir judiciaire, avec le membre conseil présidentiel désigné, avec l'autre acteur important pour joindre une solution par rapport à la crise politique. L'ancien Premier ministre Evans Paul, t'es dans le micro et devant la caméra, correspondant à Port-au-Prince, ou dans Toussaint. Premièrement, parce que vous avez parlé qui vous faites entre les personnes directement concernées. Qui est-ce qui directement concerné? Bon gouvernement en place quand même. Gagnez moun nan yo cité qui vous fait partie du conseil là et gagnez moun cour de cassation. Que moun sa réuni pour regarder au regard de la loi, de la constitution et des intérêts fondamentaux du pays, de la complexité de la situation, toute meilleure route pour nous. Moi même pas, tant comme dadou là, m'pas partisan, vous me dites m'partisan conseil, m'partisan un cour de cassation. Moi pensé cour de cassation paraît plus logique, mais soumettre coup de cassation à tout pas bon arrangement pas tellement mais pour sens ça ou pas bon entente et puis population pas reconnaître la donne c'est pas bail résultat parce qu'on pas capable bon temps dans depuis quelque temps pour nous mettre peuple dehors en politique pour moi accord si nous faisons accord ça bon droit pour pouvoir accord pas bon droit pour pouvoir accord c'est des monde qui entendent mieux sous en position mais faut aller chercher légitimité bon côté peuple. Alors je dis à nous une situation difficile dramatique monde pas ca manger monde pas ca dormir la caillou monde a courir à droite courir à gauche il y a une instabilité une incertitude qui m'a dit une logique, un sentiment patriotique pour nous essayer d'apprendre un chemin qui est plus bon et qui est plus coûte là. Ancien Premier ministre haïtien Evans Paul, tu es dans le micro et devant la caméra, correspondant nous, dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Et puis jeudi, à ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause Femme, avec Jude Demonstré qui lui-même pourra présenter nous un paquet de mesdames qui jouent une distinction dans Floride. Célébration fête femme pas qu'au fini dans l'État Floride. Vendredi qui s'est passé là, sous l'obédience Asian American Chamber of Commerce, cette femme haïtienne de recevoir Women's Achievement Award année 2024 là, dans le cadre de la cérémonie annuelle organisation. Mounsayo, c'est Dr. Nadia Assad pour travailler dans le domaine social, Dr. Geneviève Colastin, professeur l'école, Shedley Cassius Pantner, conseiller académique, Marie-Paul Woodson, députée dans l'État Floride, Stéphanie Sius Zamis, entrepreneur, Martine Pierre-Paul, qui est manager dans une banque, Jean Martin Dubuisson, Sénégal, qui travaille dans le domaine finance, mais qui pas présent, les bloqué dans le pays d'Haïti à cause d'avions qui pas volé, il était représenté par deux petites filles. Dans finissement soirée, nous avons parlé à Jenan Saint-Fleur, qui est vice-présidente chambre commerce là. Nous demandons sous qui base yo choisi mesdames yo qui honoré Anissa. Ah, c'est mon ça yo pour yo honoré parce que me connais me parler en pile monde qui va dire comment faire pas honoré. C'est pas Jenan qui choisit. Nous avons un comité dans chambre de commerçants qui assure li que li suivent travail moun. Travail que moun n'a fait a pas seulement travail sur aptitude de sur ça que capable faire ou bien sur intelligence mais pour ça que li même li baï dans communauté qui ça que li baï dans cœur. Vera Creole, tu parlé tout avec Stéphanie Sius Zamis qui était une dans monde qui te recevoir l'honneur respect dans soirée. Nous demandons pour te ba nous plus détails sur activité là. Communauté. Moi, c'est directrice générale d'Hélice Tropical SA, qui sont une entreprise qui en Haïti, premièrement, qui a fait des produits à base d'ingrédients haïtiens. Nous faisons confiture, nous faisons bonbons, nous faisons épices. Donc, nous avons
paquet mesdames, bien que nous gagnons quelques garçons, hein, mais nous gagnons à 80% femmes qui a travaillé avec nous, qui a créé des produits. Et produits, ça yo, non seulement yo bay mesdames yo travail, yo aide famille, mais nous contribuons tout à cultivateur yo aide yo planter plus parce que produit yo nous prend yo nan main yo pour nous faire transformation pa nou. Li gon impact sou communauté haïtienne qui aux États-Unis, qui au Canada parce que produit nou yo vinn joine yo et nous gen très prochainement des produits qui pral fait États-Unis et plus particulièrement, mais qui a toujours des produits haïtiens faits avec des ingrédients qui mettent en valeur culture noire. Parmi divers monde qui te viennent chita participer dans cérémonie, Sony, tu es tombé d'accord pour bail opinion dans micro VOA créole. Moi venir pour me supporter parce que sans femme, nous pas ca vivre. Sans femme qui maman nous, sans femme qui petite nous, sans femme qui m'attente nous, que si a célébrer moi gain force pour venir là pour me supporter parce que y a fait ça qui bon dans communauté haïtienne en Floride. N'a signalé que soirée a été finie en musique avec Donny Félix à la guitare avec Gabi Kangé qui tape chanté. Non pam, c'est Jude Onsré pour VOA Créole dans ville Tamarack et à Floride. La personne, baba, nous pral quitter diaspora, nous pral aller dans ville Okaï, côté yon trentaine prisonniers joignent libération yo dans cadre d'une audience spéciale paquet Okaï la té organisé dans prison civile là. Yon reportage Jean-Ernst Eliscar. Dans une audience spéciale qui s'est déroulée dans la prison civile Okaï, parquet Okaï libéré une trentaine de prisonniers. Commissaire gouvernement Okala, maître Conal Richemont, fait connait situation qui a évolué chaque jour dans la capitale haïtienne. La cause responsable prison civile Okaï, il y a grosse difficulté pour jeune manger pour bailler prisonniers qui ont souffert avec une série de maladies. On a là, nous, actuellement, le pays est en situation intenable. Donc, ils n'ont pas de manger. Donc, son green boy a mangé bonjour, pas de médicaments, pas de l'eau par rapport à blocage qui est dans le pays. Nous-mêmes, en tant que commissaire gouvernement, qui a une responsabilité première dans la prison, nous avons cherché moyen pour que nous mettions dehors tout le monde qui a gagné des infractions et gros infractions, c'est des infractions mineures. C'est ça qui fait que nous sommes là. Chef paquet Okaï là, maître Conal Richemont, tout profiter occasion pour lancer appel bay commerçants dans ville Okaï pour aider yo joindre manger à glo pour prisonniers. Message que m'a lancé c'est pour commerçants Okaï ou bien c'était société civile là parce que nous connaît pas de presse bloqué, c'est pas de presse pour bay manger, c'est eux qui pouvait manger pas pas rentrer, médicaments pas rentrer et prisonniers dans situation est vraiment difficile. Donc c'est un boy par jour, un boy, un grand boy par jour et puis Okaï là, boule. Boule farine. On gagne boule farine fresh avec poids seulement au cabaret parce que pas qu'il mange. Donc manger pas qu'à rentrer. Donc moi tout le monde qui a porté mes forces dans les prisonniers au caillou, bon, c'est porté. Parce que nous faisons tout ça capable pour que les prisonniers pas évasion dans la ville de Caille. Mais si les prisonniers là, tout fait au caillou manger, il faut au caillou de l'eau. Donc tout le monde qui est capable de porter mes forces dans les prisonniers dans la juridiction au caillou, dans la prison au caillou, donc on fait ça. Parce qu'on a porté plus de 900 prisonniers. Il y a un acte qui a voué, il y a un coteau qui a voué, il y a un caillou qui a voué, ça a été nous plusieurs. Et nous souhaitons que les commerçants qui sont dans le caillou, secteur privé, la mairie, tout le monde est capable d'aider les prisonniers aujourd'hui à la situation comme ça. N'a pas signalé. Prison civile au Caï a plus passé 800 prisonniers, alors que prison a été faite pour 70 personnes. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, au Caï. Et puis, il y a un dernier reportage. Il y a un YouTuber américain, en parlant de Addison Pierre Malouf, tourné la Cali aux États-Unis hier mercredi, dans un vol spécial que les États-Unis ont organisé pour Américains qui bloquaient en Haïti. Il y a un reportage, Gérard Maxino. Après 22 jours passés en Haïti, YouTuber américain Addison Pierre Malouf tournait mercredi 3 avril 2024 là, la Cali aux États-Unis dans un vol spécial que les États-Unis ont organisé pour Américains qui bloquaient en Haïti. Monde capable remarquer YouTuber qui accompagné de un policier qui t'a fait des marches dans l'aéroport Caplan pour te quitter pays après il t'a fait une libération dans mardi par la justice. Malouf t'est venu entrer dans salle embarquement l'aéroport Caplan. Côté, et un responsable voyage a demandé pour ne pas parler avec la presse ni poster en rien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Sous compte X-Li, YouTuber a remercié tout le monde qui aide et fait connaître ses pouvoirs réseaux sociaux qui permettent de jouer liberté. Après que chef gang, le mois sans jour, t'est fini libéré, Addison Pierre Malouf est rentré au Cap Haïtien à bord d'un hélicoptère. Il est venu jouer une arrestation après plainte que le propriétaire d'une machine qui était louée a porté contre lui. Goutet, li pat paye machine nan, kel te kite Port-au-Prince après kidnapping ni an. Commissaire gouvernement au Cap-Blanc te libéré après yon entente ak met machine si la. YouTube a, nan micro VOA Créole te déclaré, Haïti son bel pays, mais il regrette du fait que mauvais angi absal réputation. The people of Haiti are amazing. This country is beautiful. Okay, it has been ruined by gangs and corrupt politicians. That is what I have realized.
I came here to see if it could be fixed by a man who was leading that. Gérard Maxino, Cap Haïtien pour VOA Créole. Ici avec dernier reportage ça que n'a été fait. L'autre information que nous porter dans édition journal ça et bien n'a faut qu'on ait dossier qui pour avec dossier insécurité et bien c'est pas un bagage Haïti lui-même li couper ou bien li co ap sorti là-dedans si toutefois pour nous ta sorti et bien la police là l'état supposé a fait un beau travail d'ailleurs nous pas critiquer travail la police mais dans jan bagay yo là et bien si policier lui-même li capable dans dou ou bien nous 4 5 policiers nous capable faire partie yon opération et bien parmi 4 5 là toujours gen yon des graines pour ne pas dire plus yon même qui c'est mauvais graines dans mitan nous et bien c'est toujours lavé merci à te qui n'a toujours fait fois passé là dans miwale yo arrêté yon policier côté lui-même arrivé perdre la ville pendant lui-même li t'après acheter munitions pour bandi et bien policier ça dans zone la caille tout monde te connaît c'est bon policier qui bail service et bien les mêmes li té dans gang matin là encore bien bonnet la police jeudi 4 avril 2024 là la police yo même yo arrêté pardon hier 4 avril là yo arrêté deux jeunes garçons qui t'assemblé yo même yo tap pour des cartouches pour chef gang vite l'homme ni même cap opéré dans tabac qui prend des mais ils zone Pétionville là tabac viré dans zone côté nèg ça même yo gen base yo dans peigné et bien y a commandé et bien yo contré dans des nèg ça youn là-dedans yo c'est un policier 28e promotion lui-même qui relé aux îles Stafford lui-même cap travail Pétionville pour connait là lui-même li nan travail dans police Pétionville gen bon brigade cap veille bandi pour pas rentrer et bien pour même policier ça lui-même li ta pral porter munition by chef gang vite l'homme qui sous qui est nous pral quoi connait sous qui monde nous pral côté si même PNH là c'est eux même qui déjà fait partie gang là et bien nous pas gain sous monde pour nous compter et bien pourquoi li la policier lui-même li dans commissariat Delma 33 côté nèg yo même y a tant pour faire suite nécessaire pourquoi li la bagaille la police gang là et bien li paraît à clair là dans des derniers jours ça côté PNH là yo sous route pour t'amener bon bataille malgré pas gain trop bon bataille bandi yo prend contrôle et bien c'est rat kay yo même kap manje pay kay parce que pour NH la li vraiment impliqué dans ça kap fait dans pays d'Haïti n'a rappelé c'est pas premier coup ça fait parce que te grand pile par pile qui t'a fait là si tout les b ça t'a annoncé y a quitté centre là pour rentrer pour tout presse et bien information t'a fait quoi à clé que police t'a mêlé avec bandi côté yo t'a en bas monde kabrit yo t'a vi moun ça yo même pour être capable éteindre la vie à Jambi Sap ça qui donc la police pas gain problème coller boudal ak bandi sans problème dans pays et si c'est comme ça ça continue ça va aller pas gain pièce mesure qui prend et bien nous même nous fait carré effondrer puis font parce que immédiatement policier yo ganglé et bien pas gain rien tout qui va le fait qui d'ailleurs bandi yo déjà renforcé yo gain Dimitri Rale même qui c'est un gros policier haut gradé qui prend formation à l'étranger li dans base bandi si toutefois la met pied la tête là pour t'a gouma bandi et bien on ya nous pral venir avec problème sac là li poko en pendant nèg y a met di fait tout gòt côté wè li la nèg yo boulé bibliothèque nationale côté qu'on ya pa ganyen archive yo là bon bagay yo ga pa ganyen pral rete si y a boulé tout côté ça yo on pral besoin yon livre yon histoire qui t'a passé dans pays ya nèg yo y a plagé ya té et policier yo complice nan sa y la moun pa ka épanier PNH la parce que yo vraiment complice t'assemblée n'a vivi yon temps les Aristide même li t'a craser la mais ya bien police la ou capable wè tout livre non mode pou yo t'a pral passé bon yo va décraser mais faut passer mais PNH là li vraiment gain problème nan dernier jour ça malgré gain bon policier tout les n'a dit ça nous pas cracher tout travail la police parce qu'il grand pile cap fait bon travail nan opération nan ça qui bon même yo mené nan zone Mon Ogen nan Jacques Mel qui c'est site BIA la police ta meté mais sous présumé bandi qui relé Jean-Pierre Anthony alias Palaki, et bien Palaki, pourquoi il est là pendant le jeudi 4 avril 2024 là selon PNH là Palaki c'est deuxième chef groupe bandit ou même cap opéré dans localité Mon Ogen dans commune Jacques Mel pourquoi il est là monsieur lui-même li en bas mais PNH là dans zone provinciale et bien il toujours paraît différent la police yo même yo souvent fait bon bot sous nèg exam yo même qui gain idée pour capable bay population dans zone provinciale en pile problème et ben la police yo toujours fait bon bec
L'autre information n'a pas connu Vladimir Joseph, la police était arrêté au cap journée jeudi 4 avril 2024 là. Et bien c'est un deuxième chef gang Mikano cap opéré dans zone Wav Jérémy. Individu ça lui-même l'étape tape tenter quitter pays à pour le rentrer dans pays les États-Unis dans programme Joe Biden nan, et bien madame li rele Faika li gagne un gros dépôt bourré avec marchandises yo détourné en dedans Wav Jérémy qui donc li paraît à clair et bien Vladimir Joseph lui-même li pas d'aide yo comprendre malgré nous pas dit la police pas prend yon bandi mais dossier qui gen pour avec DDA et bien c'est pas vrai DDA c'est plutôt yon l'autre DDA qui tombé et bien l'information qui sorti là c'est la deuxième chef gang Wav Jérémy qui Mikano lui-même qui c'est premier chef là et bien c'est à lui-même PNH là yon même yuta mette en bas code dans au cap et bien c'est un bon coup mais c'est pas DDA dans base ça vient la Tibonite. Plusieurs compagnies aériennes ont même recommencé vol sous pays d'Haïti et bien aller dans pays les États-Unis directement Miami. Yo gen ramasser pile cob puisque moun yo même yo pensé que vol yo même yo t'a continuer sorti au cap pour Miami et bien moun yo plaider faire réservation sous réservation et bien subitement compagnie yo même yo dit yo campé tout vol. Pourquoi les là moun yo yo pas connaît qui c'est pour yo reler parce que yo pas remettre yo cob yo date approval Biden yo presque expiré pour moun yo même qui pa gen l'autre cob pour yo ta prendre chance pour yo ta unique compagnie aérienne qui décide continuer vol li a même qui ça haïtien a fait et bien qui ça est capable faire pour ta une cob yo côté l'état qui ça moun qui la yo même pa gen l'état on va demander pour l'état question à poser c'est vrai mais dossier l'état nous mettre pile là-dedans parce que nous pas dans et bien qu'est sauté en pile bon côté moun qui gagne dans programme Biden. Selon OIM, yo déporté plus passé 13 000 Haïtiens. Et bien, dans un communiqué, Organisation internationale migrant OIM lui-même, li publié à jeudi 4 avril 2024. Là, il fait connaître que y a plus passé 13 000 Haïtiens qui ont retourné la caillou à travers diverses régions dans les Caraïbes. La. Environ là-dedans, il y a 3 000 là-dedans, eux-mêmes qui jouent aide humanitaire pendant eux-mêmes qui ont retourné la caillou et puis 1200 qui ont changé de site. Si po psychosocial dans cadre déportation massif sa yo et bien pour un pile haïtien voyager dans situation régulier et bien c'est un véritable problème pour yo alors que voyager c'est seul espoir pour un pile haïtien capable river camper tête yo qui donc c'est ça organisation internationale ça lui-même qui c'est OIM li fait connaître OIM continuer pour le dire dans communiquer si là malgré situation catastrophique là ak état d'urgence là et bien un pile dans région Caraïbes la pas suspend pimpé haïtien yo même yo retourner la caillou c'est là qui la cause gain augmentation 46% par rapport avec moi avant en total de 13 000 na yo trouvé que yo même dans pays yo à cause yo pas légal yo obligé retourner yo la caillou pour des pays étrangers yo même yo pas accepté haïtien si là à cause en pile fois accès avec passeport qu'on presque prenyon l'année et bien pour joindre dans pays d'Haïti et bien c'est à youn nan point ça ou pendant temps ça et bien n'a rappelou Haïti gen environ 11.6 millions moun là-dedans et bien gen plus passé 360 000 là-dedans yo même qui pas suspend couri quitter la caillou pour aller réfugier dans l'autre côté ou bien dans l'autre pays et bien migration éteint surtout dans grand sud là et bien qui gen là-dedans le grand dans sud sud-est et puis nip. Pourquoi li la bagay yo continue compliqué en pile pays nan Caraïbes la même jan yo té Amnesty International té voye bay République Dominicaine et bien République Dominicaine té fait konnen même jan l'autre pays nan Caraïbes la fè a yo même y a continuer faire loi yo c'est continuer déporter haïtien c'était déclaration c'est là que chef immigration en République Dominicaine li té fait konnen nan dossier qui gen pour avec dossier déportation et bien selon OIM et bien en pile haïtien yo même cap couri quitter pays malgré bagay yo pas bon là et bien yo continuer tout pays nan Caraïbes yo continuer à déporter malgré ta de Caraïbes comme a fait ceci a fait cela et bien nous pas bon y a balancer nous pas ka jwenn accord et bien pour pile et puis on pays ça fait partie Caraïbes nan et bien y a pour le pour nan pays ou pour vinn manger mise en place Nations Unies accusé pays États-Unis qui quitte zam avec munitions atterri dans le pays d'Haïti ou même sans contrôle. Et bien, dans un communiqué, Organisation Nations Unies qui c'est ONI, et bien, il fait qu'on est dans la date qui était mercredi 3 avril 2024. Là, c'est chaque jour, groupe gang yo même y a vin pi fort, pi riche et pi
pi indépendant nan pratique sa criminel yo même puisque yo acheté zam ak munition c'est moyen qui permet yo même yo occuper plus territoire nan pays d'Haïti. Organisation Nations Unies te essayé joindre côté zam ak munition sa yo même yo sorti pour yo te atterri nan pays d'Haïti et ben nan République d'Haïti. En plus qui quantité l'argent ça coûte et puis lit yo même yo pral prend pour mener moun acheter zam sa yo et bien zam commencé augmenter dans pays d'Haïti c'était depuis en 2021 tant qu'au fusil avec AK-47 qui fait là aussi avec AR-15 qui fabriqué dans pays les États-Unis et puis Galil qui fait en Israël et bien c'est ça organisation Nations Unies contre drogue et puis crime lui même yo signalé yo ajouté et bien c'est ça qui t'a la cause que bandi yo même yo vinn pi à l'aise quantité zam yo vinn gen yo augmenté kounya yo vinn gen plus zam ça vinn faire yo même yo vinn gen plus puissance passer la police la malgré la police la corrompi mais selon Nations Unies et bien zam yo rentré avec yon bon facilité nan pays d'Haïti situation insécurité avec instabilité en Haïti pas suspend créer panique avec inquiétude pour région plus zam a rentré c'est plus groupe gang yo même yo a occupé plus point stratégique par rapport avec route yo même pour yo camper machine là yo même y a passé organisation internationale la identifié quatre côtés zam passé pour rentrer en Haïti gen deux conteneurs yon qui sorti Floride pour arriver Port-au-Prince yon l'autre tout qui sorti dans nord ak l'ouest pour passer Chicken Caicos avec Bahamas et bien ça qui gen passé bateau pêcher poisson ou bien qui vinn nan ti avion qui passé nou ben pour atterrir dans ville au Cap là selon rapport organisation Nations Unies contre drogue et puis crime là et bien situation insécurité Haïti a connait là c'est première fois moi vivre ça depuis 20 l'année m'a travaille dans région Caraïbes là li vraiment nécessaire pour nous joindre stabilité dans crise sécurité pour nous améliorer avec bail possibilité pour contrôler toute frontière dans région c'est déclaration ça représentant régional Nations Unies dans l'Amérique latine et Caraïbes là lui-même qui c'est Sylvie Bertrand lui-même li bail li important pour nous connaître gen environ 23 groupes gang cap opéré dans zone métropolitaine là et bien qui divisé en deux coalitions JPEP lui-même qui gen en tête li chef gang Ti Gabriel et puis Genève qui gen en tête li Jimmy Cherizier alias Barbecue pendant ça organisation Nations Unies à travers expert li yo mentionné gen entre 150 avec 200 groupes gang en Haïti au total. Et bien, un phénomène gang qui l'a depuis longtemps dans le pays, et bien, qui sorti dans l'année 1950 dans l'histoire Haïti. Et bien, toujours, selon ça, représentant lui-même, lui fait connaître. Majorité trafic, Zamio, lui-même, yo vini, voie aérien, terrestre, et puis maritime, distribué by JPEP avec Genève, qui c'est depuis gros groupe gang en Haïti, yo, cap offri by l'autre, et bien, yo moyen, qui donc, les gros gang yo gen, yo van avec l'autre base, yo même li fait ça clairement de distribuer plusieurs armes bay moun selon Robert Muga et bien dans cadre information li bay nan rapport ça li fait qu'on est toute priorité au niveau même doit chita sur renforcer institution la police d'Haïti n'a pas renforcé pendant police eux même y a fait partie gang y a porté zam sorti janvier pour arriver février et bien gen on a fait des 379 moun qui kidnappé dans trois derniers. Eh bien, selon expert nan l'ONU qui donc sa kidnapping sa yo mandé kobyo mandé yo bandi yo même nan 3 dernières années sa yo qui passé là c'est entre 17000 avec $500,000 américains pour libérer moun sa yo. C'est kob sa yo que l'ONU yo même yo fait connait. Eh bien, c'est une pi mauvaise l'histoire nan temps moderne sa qui n'a dépassé côté bandi yo prend diverses institutions comme Sibio Takou aéroport international tout ça l'ouverture là palais national théâtre national, l'hôpital, l'école, caserne police, et bien la douane et puis port pour nous avancer expert dans l'organisation Nations Unies lui-même bouton fait dans l'idée pour nous réduire presque net quantité d'armes qui rentrent dans pays a et bien agence dans Nations Unies gain pour former unité contrôle pour surveiller port yo aéroport et bien la gain là-dedans tout policier avec agent la douane et puis quatre côtes pour permettre et bien yo identifier avec inspecter conteneur et puis cargaison qui gagne risque là-dedans pendant yo même yo pral gagne pour utiliser radar avec l'autre matériel encore selon ça Bertrand
li même rapporté pourquoi li là yo fait qu'on est yo pral mettre contrôle mais pas oublier mettre contrôle bien depuis gen chat dans base là et bien bagaille yo même y a toujours rentré avec yon facilité côté pas gen aucun difficulté pas gen aucun barrage depuis gen corruption organisation et bien yo fait qu'on est yon l'autre côté dans l'autre communiqué que yo déjà déposé 12 millions dollars américains comme fonds urgence pour Haïti et bien hier 4 avril 2024 la coordonnateur qui responsable c'est coup urgence là dans organisation Nations Unies lui-même ni fait qu'on est gain 12 millions dollars américains qui disposé là comme fonds central IAS pour aider Haïti dans situation crise insécurité qui les mêmes l'a fait face dans dernier jour ça yo la zak violence gang yo même qui pas suspend la cause environ 500 000 moun yo même yo déplacé quitter la caillou pour yo al habiter yo en province pour moi mas la seulement là en plus gen 5 millions là-dedans yo même qui déjà dans situation grand gou grave parallèlement bandi yo attaquer système santé. Eh bien, après rappeler au système santé, si là, les mêmes qui étaient déjà en dégrabaille, eh bien, toujours selon ça, coordonnateur secours urgence Nations Unies, qui c'est Martin, les mêmes qui publiaient information ça sur compte XNI, dans le dossier qui vient pour avec Haïti. L'agence a les mêmes libérales pour lui aider les gens qui ont problème grand goût de l'eau potable, soins santé. Eh bien, ils pral utiliser comme ça et puis soutenir les gens qui ont sac qui pour avec hygiène à travers centre abri dans Port-au-Prince et puis département la Tibonite selon sa porte-parole secrétaire général Nations Unies lui-même qui précisait pour nous que c'est Stéphanie Dujarric organisation Nations Unies lui-même décidé mettre l'argent ça parce que réponse humanitaire li financé dans un pourcentage de 6.6% ça qui permet que nous-mêmes nous capables de recevoir un affaire de 45 millions de dollars américains par rapport avec 684 millions nous t'ai demandé avec l'autre membre de l'organisation pour finir porte-parole là les mêmes qui c'est Stéphanie Dujarric et bien n'a communiqué cela pourquoi elle est là comme toujours à débloquer pour aider pays mais malgré bonne l'argent ça toujours à venir mais ça peut empêcher pays à les mêmes il continue la plonger mais loin on met dans tout détail tout cop cap bail aide cap bail c'est pas aide nous besoin c'est sécurité pour nous même nous camper goumé pour nous capable résister en bas mais nèg exam yo même qui continue à payer pays si là de l'autre côté n'a faut qu'on est pays Afrique avec Caraïbes yo même y a demandé création un tribunal pour zak atrocité et bien qui était fait dans époque esclavage yo. Et bien si pour a monter dans Nations Unies et bien en Afrique avec dans Caraïbes là pour création un tribunal international sous zak atrocité qui était fait depuis dans époque commerce esclavage les mêmes qui était contre traversé océan Atlantique là et États-Unis a payé un panel dans l'ONU qui nan mitan et force là un tribunal qui fait sous modèle si là qui te fait promesse là et bien côté yo même yo te jugé criminel la guerre nazi yo et bien après deuxième guerre mondiale là les même c'est ça groupe là li proposé année passée et bien si pour aller même li prend force kounya nan moment gen un gros mouvement réparation pour esclavage d'après ça agence nouvelle l'outer li même li révélé et puis qui basé tout sous interview qui li fait li même avec yon douzaine de moun pourquoi li la forum permanent l'ONU pour descendants africains et bien te recommandé l'idée ça officiellement dans mois juin année 2023 qui s'est passé ça l'idée ça li même pour gagner un tribunal spécial et bien quelques organisations régionales africaines avec Caraïbes pour étudier plus sous dossier cela d'après Eric Philippe lui même une vice-président commission réparation pour esclavage dans CARICOM là et bien qui gagne 15 pays comme membre là-dedans yo pas ko déterminer qui mesi domaine qui était ou bien que tribunal là les mêmes li pral couvrir ou bien li pral wè dans dossier qui gagne pour avec forum l'ONIA les mêmes li recommandé un rapport préliminaire qui doit aborder question réparation sous esclavage là et bien qui te kon fait génocide
qui donc destruction population avec colonisation. Pourquoi il est là, est-ce qu'il a passé ou pas, nous beaucoup connaît, mais yo mette ça sous pied et bien des pour le projet là ou capable d'entendre li passer et bien s'entendre là et bien nous même nous pral joindre quelques petits bagages. La police a mené enquête sur yon pi gros vol l'argent cash qui fait dans histoire pays les États-Unis qui fait dans côté qui relie Los Angeles là. La police dans Los Angeles a mené enquête sur là sur vol là qui gagne en affaire de environ 3 millions de dollars dans un dépôt sécurité yon na pi gros vol dans l'histoire ville Los Angeles. Et bien médias locaux yo même yo rapporté hier jeudi là. Attaque ça lui même li te fait dans un établissement dépôt l'argent pour commerçants San Fernando Valley dans nos villes là et bien bonnet dimanche matin yon sous dans département la police de Los Angeles li même c'est ça que li même li te dit pour li là y a mené gros détails sur ça en République dominicaine. Nous pralé kounya nan dossier qui gen pour haïtien kap fè pitit yo. Selon listen di alio et bien le fait qu'on est pour année à la déjà gen a fait des 5488 haïtien qui déjà ou bien pour nous bien dit haïtienne qui t'a déjà fait petit et bien dans pays si là n'a rappelé c'est pour deux derniers mois ça là en 2024 là il fait connait sif ça lui même li moins à par rapport avec des années 2022 et 2023 c'est ça il fait connait information ça lui même li bail ses services national de santé a yo même yo fait connait dans des premiers mois ça pour année 2024 là et maintenant pays a déjà registré pays République Dominicaine yo a fait des 5488 maman haïtien yo même qui t'a déjà fait petit et bien ça qui représente yo 35% des 15661 et bien qui déjà fait là dans pays voisin durant premier 60 jours dans année et bien gen a fait des 10155 maman qui est originaire dominicaine yo même qui déjà fait petit et bien dans l'hôpital dans pays ici là comparaison avec année 2023 qui était passé là à côté yo était déjà dans les ça yo était déjà réalisé yo a fait 17335 monde qui était déjà fait petit avec étranger qui était 3915 et bien mois janvier lui même qui était 3420 et bien dans mois février là bagay là et bien li descend et bien yo fait connait pour haïtien yo gen yon diminué qui fait là de 1847 et bien en moins yon bagay qui vinn bay yon 25% moins de ça qui te gen année avant. On a demandé est-ce que c'est par rapport avec déportation massive yo fait sur haïtien yo qui rend li descend ou bien haïtien yo même yo t'a pensé n'a pas tout grand pile haïtien qui t'a vivre dans ça soit qu'aller dans Biden soit qui passer par Nicaragua li aller et bien Dominique yo fait connait sif là li descend déjà le ya pourquoi il a gagné on a fait des 5488 qui t'a déjà fait et n'a pas rappelé document ça pas facile l'offre petite en République Dominicaine pour ba ou nationalité dominicain c'est ça listen di alio qui c'est un média en ligne République Dominicaine li publié matin là. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn nan pi meye façon que ou ka fè ou capable fè n santi travail n'ap fè arrive sou ou c'est le ou kite yon like sou vidéo a et le ou abonne avec channel la tout. Pas oublier activer ti cloche notification et mettre le sou tout yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous pote yon nouveau vidéo pou sou channel ça. Partager vidéo a avec yon zanmi ou yon fami ou yon façon li même pour capable joine information à tout et comme ça ou aider nous grandir communauté channel la. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regret même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.